épais nuages obscurcissent l'Europe. Méfiance et rivalité entre royaumes menacent de produire une guerre digne de celle annoncée dans le jugement dernier. L'Espagne est une terre divisée. Assujettie par les morts pendant plusieurs siècles, sa population a soif de liberté et combat désormais au nom de Dieu et du roi. La Reconquista est en marche. Des années de méfiance et de combats internes ont affaibli l'Espagne. Malheureusement, l'occupation maure de la péninsule ibérique ne suffit pas à faire taire les rivalités des nobles. En des temps aussi sombres et apparemment désespérés que ce que nous vivons, la survie de l'Espagne dépend d'hommes dont la loyauté ira plus loin encore que la foi jurée. Il faut des héros à l'Espagne. Elle se dresse à nouveau libre.
cette bande moyenâgeuse qui arrive avec ses robes d'époque, ses épées, ses cottes de mailles et surtout ses chevaux, le symbole de la cavalcade de Herve évidemment. Tous ces chevaux magnifiques avec des robes aussi belles que les cavalières qui les conduisent cet après-midi. La clique et la cavalcade du roi Arthur.